Chers frères et sœurs et amis des ondes, et tous les amis de psychothérapie spirituelle, tous les psychothérapeutes, et tous les amis qui branchent avec nous, un peu partout, qui écoutent nous, nous saluons après-midi dans le nom de Jésus. Nous souhaitons une bonne fin de semaine et nous espérons que nous avons une très bonne adoration aujourd'hui. Dans l'église, nous avons adoré le Seigneur. Comme vous avez écouté conseil au matin, ou dans l'église, ou dans le bail, le Seigneur, ça vous pote pour lui. Le Seigneur a partagé de nous-mêmes adoration, louange, gloire, honneur, que lui-même seul méritait. Et comme nous connaissons le moment, ça c'est un moment qui est très précieux. Il y a un moment qui, rappelez-nous, depuis dimanche-là qui commence, c'est la fête de Pâques. Bien entendu, les Pâques qui fait avec S là, qui c'est la commémoration de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour les chrétiens en Jésus-Christ. Pour les autres nations ou bien les autres cultures, les autres religions ou bien whatever j'ai dit là, il y a pas bien à faire paille. Mais nous les chrétiens, c'est là nous centrer. Nous centrer sur les réalités. Christ est venu. Christ mourit, Christ ressuscité, et Christ a retourné, c'est là l'évangile nous basé. C'est là nous centrer, c'est là qui est toute réalité. Nous encourageons, ou même qui regardez nous, qui regardez des vidéos ça toutes les fois, qui pas de gens font travail envers nous, nous demandons pour aider nous dans le cadre de ça. Pour like vidéo pour nous, commenter, partager, et puis subscribe. Encourageons l'autre monde pour devenir membre. Comme nous te disons déjà, supporter le travail bon Dieu qu'a fait. Nous encourageons supporter le travail bon Dieu qu'a fait dans la mesure qu'on est capable. Baba de l'argent. Si c'était l'argent, je me devine mando, je n'ai pas de valeur encore sur le réseau ça. Mon cher Boum, t'as pris ce voie. Je n'ai pas de croiser déjà. Mais ce n'est pas ça que je viens de faire. Pas besoin de l'argent dans le monde. Ça va me dire que c'est le monde comme. On ne va pas me supporter. Parce que nous avons besoin d'avancer.
Et je vais prendre une chance allemande de mon cob pour nous avancer. Ça va être fait. Parce que nous connaissons avec le type de monde qui nous a servi. Nous connaissons ça facile pour nous dire. Tout d'abord, je dis à nous porter un message à vous pour vous. Dimanche, là, nous avons parlé de. À l'occasion de cette grande fête, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, quand Jésus a prononcé sept paroles sur la croix. Nous débarrons, ensuite nous débarrons tous les deux ensemble, et en plus nous venons, nous te faisons vivre le message que nous avons prêché à l'occasion fête là dimanche là. Et nous sommes certains que monde qui t'étend, et nous ne pas dire tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui t'a dénouvré. Parce que depuis mon ouvre ouvert vidéo à moi, depuis le check le moi, ça l'écrit à ma poêle. Et s'il pas moi, il le tout moi. Vous connaissez. Alors, dans quatre amants, courage ou même qui pas de jambes, pas quitter la démangeaison pour toi aller, pour mépriser le travail bon Dieu qui a fait, pour mépriser nous ou bien faire l'autre bagaille. Pas fait ça. Et puis c'est là où la vidéo où vous courir ou bien vous passez ou tout vous faire l'autre bagaille ou pas même temps. Ne demandez pas faire ça. Nous encourager ou profite l'occasion de compte là. Parce que bon Dieu mette parole li et vraiment. A pile côté pour joindre, sous plusieurs moyens pour joindre. Longtemps c'était seulement sur radio, télévision, pour dire qu'on a pour parole bon Dieu, mais qu'on y a vive parole bon Dieu sur WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, quel que soit côté ou vivre ou joindre parole bon Dieu. Bien entendu, beaucoup sur Instagram, non? Beaucoup sur lui, beaucoup sur Twitter. Mais, il y a un jour m'a fait quand même. C'est venir la vie. Mais, nous pas arriver là sans nous-mêmes. Alors, si vous n'êtes pas bon, nous supportons. Ça ne va pas venir de la privée. Nous, on a privé quand même. Même si vous toujours connaître, si vous contribuez, dans ce qu'a fait là bon. Mais l'objectif, nous, on a privé quand même, côté nous, les rivières. Parce que le monde qui mettait nous pour nous faire travailler, ça, il n'a pas jamais abandonné nous, il n'a pas jamais quitté nous seuls. Maintenant, nous voulons pour nous venir avec la même version, ça, qui nous peut être présentée pour en français dimanche-là, et nous venons présenter pour une langue créole. Les sept paroles de Jésus-Christ. Les sept paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Texte déjà li, ou a besoin de texte, c'est tout au long, on a développé thème nan. Tout au long, on a développé thème nan, ou pour le joindre sept paroles yo. Mais avant tout, on a fait quelques introductions pour vous-même. Thème nous pour le développer dans sept paroles yo. Pour qui ça? Pour qui ça, sept paroles ça, où Jésus a prononcé sur la croix? Pour qui ça, il a prononcé sept paroles ça? C'est une question que tu as posée. Et qui ça nous voulait, nous connaît puisque nous voulons expliquer cette parole. Ça nous voulait, nous apprendre de cette parole ça. C'est juste pour pousser nous à exercer ça que le pardon. Deuxièmement, pour aider nous à jouer moyen pour le reconnaître qu'il y a une place pour lui auprès de Christ. Et deuxièmement, pour unir nous les âmes sauvées ensemble, pour nous faire partie du royaume ciel là qui vient pour venir, etc. Ou bien je reste plus devant. Cette parole que Jésus a prononcée sur quoi? C'est pour qui raison elle a prononcée? Ce sont des paroles de grande valeur. Mais pour qui ça a prononcée? Paroles qui ont constitué sacré un testament spirituel que Jésus a fait avant l'aller. Ou comment ça veut dire un testament? C'est déclaration que mon fait avant de mourir. Avant de faire quelque chose, avant de partir, ils font testament. Parce que le cas tourné, le cas pas tourné. Il y a une série de déclarations, soit sur valeur, sur salcoué. Et puis, s'il y a un héritage, il y a un acquis, est-ce qu'il y a un dédié, etc., etc. Jésus, avant d'y aller, toute parole sur elle prononcée là, il était écrit sur lui déjà. Sur le psaume 22. Psaume ça, il était conservé. Tout ça, Jésus te dit. Toute parole sur que Jésus te dit là, elle était conservée dans Psaume 22. Jésus te fait une série de prières, Jésus te fait une série de déclarations. Il va venir pour le souffrir en tant que le sauveur souffrant. Il va venir pour le mourir. Et d'après l'écriture, Christ te fait une pile prière qui te gagne pile bon sens. Mais Christ te fait tout ça d'une façon très silencieuse, on ne peut pas comprendre. Parce que lui c'est saint des saints et lui c'est monde qui juste passer tout le monde qui juste là. Au moment où il a souffert, moment ça c'est un moment de passion pour lui-même. Mais
comme nous disons, prière sur Jésus te fait tellement au temps pile en pile importance, pas te manquer pas rehausser ou bien mettez bien haut la gloire de Dieu, la grandeur de Jésus-Christ. Dans moment solennel ça, en tant que monde qui ont mettait en place pour mourir, pour crucifier sous croix, comme mon qui les supplicement, une victime qui parle crucifier nos place côté assassin, monde sans valeur, monde sans nom. T'as pas le crucifié, c'est là où t'es qu'on crucifié. Mais Jésus, le Fils de l'homme, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a accepté souffrir là. Selon témoignage évangélio, quand on parle de l'évangélio, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il t'a fait un pile déclaration qui a pile importance capitale concernant Jésus-Christ. Parole sur que Christ est prononcé sous quoi, il a un pile importance avec. Évangélio a un pile importance avec yo. Yo gagne en pile importance nan yo parole sa yo yo founi nou yon série de informations concernant le christianisme pour que le christianisme li enseye qui sa christie qui sa le fait qui nature li et ça le christianisme enseye. Et bien tout ça rentre dans quatre paroles sur Christ dit. Il est possible que nous payons attention soutenir à cette parole sur que Christ a prononcé sur la croix. Parce que c'était des paroles que l'Écriture était dit de lui. Et chaque parole sur est placée dans l'Écriture. Avant toute bagaille, qui me dit quelques mots, quelques bagailles qui sont très importantes. Pendant Jésus était sous quoi, gon bagaille qui est l'obscurité de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est une obscurité, c'est un gros fer noir qui te couvrit toute la terre. Parmi quatre évangiles, il y a trois dans l'évangile synoptique. En parlant de Matthieu, Marc, Jean, non, Matthieu, Marc, Luc. Yo dit même bagaille, même provision, même calibre. Seul Jean, c'est l'évangile de Jean qui fait différence. Trois évangiles ça yo parlé en long et en large de la crucifixion de Jésus-Christ dans façon pa yo. Ça parle de Jean pas parler le mais chaque pas parler en façon. Parmi quatre évangiles ça on seul trois nan yo qui te parlé à propos des thèmes ça qui relait fait noir. Sur toute la terre. Jean pas mentionné ça dans l'évangile. Mais toi évangile avant yo, yo parlé de fer noir ça qui te remplisse toute la terre. Marc il était écrit dans l'année 70 après Jésus-Christ. Marc écrit il dit de crucifixion, il dit pendant la nuit là, pendant même la nuit de Pâques là. Et puis d'après ça il dit Jésus était crucifié Jésus. C'est pendant même la nuit là. À propos moment Pâques là et puis Jésus était crucifié. C'était bon sorti bon 9h du matin pour arriver jusqu'à après-midi et puis toute la terre, tout pays et toute la terre était rempli avec feu noir. Sur Luc 15 verset 33. L'évangile Matthieu, il était écrit c'est dans l'année 85 à 90 après Jésus-Christ. Qui presque même bagaille avec Marc. Yo parle presque par les mêmes gens. Marc dit bon midi pour arriver jusqu'à bon 3h de l'après-midi, eh ben fer noir te rempli tout pays de la Palestine, tout pays Jérusalem. Selon Matthieu 7 verset 27 verset 45. L'évangile de Luc lui propose aussi un autre écrit qui proche avec Marc presque t'a les mêmes bagaille. Mais il pas bail trop grand détail sur version Matthieu et puis il dit c'était bon déjà midi. Chaque bagay on bagay, mais presque même bagay. Luc dit c'était bon, presque bon midi. Te gen ténèbre, fè noir sous toute la terre pour arriver jusqu'à 3h de l'après-midi. Presque même bagay. Pas oublier les synoptiques, c'est moun yo gagne même tournu, même calibre le message. Sur Luc 23 verset 44. C'était déclaration que trois évangiles avaient été bail, mais qui gagne pile importance que moun ki bagay moun ka kwè, bagay authentique qui gagne valeur. Dans le Nouveau Testament, mon cas quoi. Mais il dit quant à l'évangile de Jean, il n'est pas mentionné ni question d'obscurité ni voile temple qui était chiré. Évangile, il a détaillé et question ténèbres hein, et comment scène crucifixion Jésus-Christ a été faite sur la croix. Et puis qui genre de qui racine cette parole ça au débat. Qui racine cette parole ça qui est important sur et puis les au final analyser
cette parole de Jésus, ça a divisé, trois évangiles ont divisé cette parole de Jésus-Christ en trois catégories, en trois grandes manières, en trois parties. Ça que les subdivisions. Et c'est une histoire qui est très belle et très propre pour les gens qui apprennent, qui attendent ça. Il dit, premièrement, parole que Jésus t'a prononcée avant faire noir sur toute la terre. Deuxièmement, parole que Jésus t'a prononcée pendant la terre t'a fait noir. Et puis troisièmement, c'est parole que Jésus t'a prononcée après 3 heures de faire noir sur toute la terre. Ça c'est période. Tu as oublié trois paroles et divisé en trois périodes, en trois subdivisions, en trois catégories. Pour me mettre le plus clair pour vous comprendre. Eh bien, c'est comme ça que vous avez tout détail sur cette parole. Vous voyez, ce n'est pas seulement comme ça. Cette parole, ce n'est pas une seule façon Jésus révèle le prononcer sur la croix, mais chaque époque qu'elle dit Dieu. Il a prononcé avant la terre est remplie avec fer noir, pendant, la parole dit pendant, tout est après fer noir, et puis la parole dit après fer noir, finalement. Eh bien, ça permet que nous ayons pile considération qui fait nous comprendre. Jean, ça t'est bien classé là, au tracé tableau pour nous. Et puis, ben, nous, qui a un pile sens, qui a pile importance pour capable comprendre. 3 heures fait noir, qui t'est rempli la terre, il dit, c'est parce que ténèbres t'est rempli toute terre. C'est ça, l'évangile t'est rapporté. Ciel là, t'est vine triste, gros la journée, pendant Jésus a crucifié. Les amis, gros bagaille. Gros la journée et puis fait noir rempli toute la terre. Sinon allez comme ça on dit Jean plus rapide. Première période là ou bien première subdivision parole que Jésus te prononcé avant. Ou comme ça veut dire avant, ou comme ça veut dire pendant et ou comme ça veut dire après. OK? Pendant que Jésus avant ténèbres te prend toute la terre, Jésus te prononcé parole ça. Près de 5 paroles Jésus te prononcé avant fait noir te rempli la terre. Il te dit papa pardonnez-vous parce que yo pas comme ça a fait. Luc 23 verset 34. Première parole ça Christ prononcé sur la croix, il était basé sur le pardon. Pardon pour et millions monde qui était crucifié sur la croix au lieu c'était des tortionnaires, des bourreaux, monde qui était raï Christ. Et puis qui moun yo c'était des juifs. Propre famille qui était crucifié. On fait attention, t'as même là où gain famille, c'est pas toute famille gain mais vous entendez. On va dire pour créer l'aide dans famille on va dire pour le faire ça. On va dire pour et on doit agir avec mon là c'est comme ça, on va dire ça. Même vous faites attention. C'est pas l'autre monde qui crucifie Jésus propre famille, propre juif yo. Juif crucifié juif. Yo raïl peut-être le nom de Jésus. C'est pour ça que tout le monde qui a servi bon Dieu, yo pas aimé. Jésus t'a dit ça. Yo pas aimé, yo pas aimé nous tout comme disciple. Yo pas aimé parole li et yo tué le pour parole là pour la vérité et c'est pour parole là même m'a souffrir. Y a maltraité ou y a méprisé ou c'est moi pour nous valer soufflette me prend sur réseau ça. Valer vexation, humiliation, me se voir. Mais qu'il me dit moi mes travail moi. Moi mes Christ, moi mes sacrifice fait pour moi. Me dit même genre avec première parole là papa pardonne parce que pas comme ça a fait. Les gens qui méchant mbriye pour eux même pour bon Dieu changer cœur. Première parole là basée sur le pardon, non seulement moun qui t'est crucifié Christ, les bourreaux, mais Christ t'a demandé pardon même pour moi-même ou même jodi a. Comme méchant cap vini derrière, Christ connaît que moun cap toujours péché, cap toujours fait bagaille qui pas bon. Après il finit ressuscité, Christ t'a demandé papa pardon pour eux toutes. Christ t'a demandé pardon d'une manière générale en un mot c'est ça m'a dit. Eh bien, c'est ça, il était mentionné. Docteur Luc ou bien l'évangile de Luc, il était salué la paix, il était salué dans Jésus-Christ la caractère divine, la paix divine qui est dans Jésus-Christ en tant que humain, mais il c'est bon Dieu et il c'est l'homme en même temps, dans même temps et en souffrance, dans même temps détresse, dans agonie au milieu des douleurs et puis il demande pardon pour monde qui mettait la douleur ça, ça très souffert. Pour pardonner et demi monde qui tue petit tout monde qui tue Marie ou madame ou qui tue maman, papa, frère ou soeur.
avant pour pardonner, ça va pas, pas facile, non? Mais le Seigneur m'a demandé pour nous pardonner. Oui. Christ m'a demandé pour nous pardonner. C'était la première parole. C'était la première parole sur Jésus sur la croix. Papa, pardonnez parce que vous n'avez pas comme ça. Selon Luc 23, verset 34. Deuxième parole là. C'est toujours dans la période. Qui période c'est la première période là. Ou bien première subdivision. Ça veut dire parole Christ prononcée avant faire noir sur toute la terre. Deuxième parole là, en vérité, je dis à même, ou ap nan paradis avec moi. Oui. En vérité. Alors, en créole, il dit ça ou même d'où là, c'est vrai, oui. Dans bon créole là. En vérité, il dit ça ou même d'où là, c'est vrai, oui. Je dis à même, ou ap nan paradis avec moi. Luc 23, verset 43. Deuxième parole ça, qui ça l'apprend nous? Li apprend nous, même mal fait, a gen place auprès de Jésus. Yon péché qui repentit, le Seigneur promet la joie tout de suite dans présence li et pour jouir les bénédictions qui gagnent dans le paradis, dans le royaume des cieux. Deux messieurs qui étaient sur la croix avec Jésus, yon nan ont été sauvés parce que yon était conscient que yon coupable. Si yon sur la croix, c'est ça vous fait à payer. Mais Jésus lui-même n'est pas fait rien. Il réalise que Christ est un juste. Pas oublier en partant, nous dit Christ c'est juste des justes et saint des saints. Il n'est pas fait rien que mal. Il va mériter ça. Mais pour nous-mêmes, juste pour accomplir Esaïe 53, c'est la Bible dit de lien, il vient accomplir pour nous sur la croix, pour le porter fardeau nous. Selon Luc 23, verset 43, Jésus dit jodi à même, ou ap nan paradis, ensemble avec moi, comme ça te dit. Et nous lui demander pour nous payer en pile attention avec genre des paroles ça. Il y a quelques monde qui interprète paroles ça. Jodi a même n'a pas dit c'est comme si si l'on veut sous table c'est pas vrai pas quoi ça c'est l'autre même qui a mis parole là yo mais vrai parole là rete dans la Bible pas changer le texte l'a dit aujourd'hui même tu seras avec moi n'a pas dit ensemble avec moi c'est pas Jésus pas dit si vous voulez Jésus dit jodi a même n'a pas dit ensemble avec moi parce que le temps fait testament déjà et lui remet Jésus la ville eh bien c'est un moment qui était tellement belle et qui était tellement opportun pour ne pas assister belle parole ça au Christ te dit pour monsieur à cela quoi gain place pour monde qui recevra le pardon bon côté bon Dieu pour le vivre troisième parole là toujours avant fait noir période avant fait noir il dit femme voilà ton fils il dit femme mes petits tout et il dit monsieur mes maman Jean 19 verset 26 et verset 27 troisième parole ça que Christ prononce sous la croix, c'est l'évangile de Jean qui rapporte et il établit un lien qui gagne entre Marie avec Christ, un lien divin, un lien qui soutient dans bon Dieu entre Marie, maman Jésus, et avec Jean qui disciple qu'elle t'aime en pile. Pas oublier tout le monde qui est dans bon Dieu comme Christ, il est bien aimé. Il y a un lien, un lien qui doux que Christ baille. C'est Christ qui met le lien ça. Moun ki sauvé yo gon lien ensemble avec Christ. Christ uni yo ensemble. Christ uni Marie, Jean et puis petit li parce que Jean c'est disciple que Jésus te remet en pile. Et puis li mette yo ensemble. Et puis finalement pour démontrer amour que yo gen pour yo même. Et puis avant pas oublier Christ c'était aîné, c'était plus grand dans la famille là. Alors, il dit, mais maman, on met responsabilité, il remet responsabilité avec Jean, et où qu'on est les frères de Jésus, etc. Eh bien, ça c'était une manifestation de la divinité de Jésus-Christ. Troisième parole, le Seigneur a été prononcé dans l'évangile Jean, il montre nous la foi, surtout bon côté Jésus. Pour maman, pour famille, là, il va te quitter de maman, là, même dans n'importe condition. Et Jésus, ça montrait. Ça montre attitude en tant qu'humain aussi. Ils sont humains tout. Ils connaissent maman le besoin de soins. Jésus te connaît que maman le besoin sacré les soins. Et il te confie. Il ne sait pas seulement. Il te veut aller. Alors qu'il devoir papa. Il n'est pas seulement ouais, bagaille dans le sens. Côté seulement la régler à faire l'église. Mais il n'a pas réglé à faire. J'avais à faire famille. Jésus te met accent sur ça. Jésus te mette accent sur ça pour te connaître qui est-ce qui te maman là. Et non mais qui est-ce qui te
et puis disciple qu'il remet en pile là. Il te dit Jean, mais maman, et puis il te dit madame, mais petit tout. Quant à lui-même, il sont l'autre monde, il pas le font l'autre travail. Mais ça pas veut dire que il pas reconnaître maman en tant que humain, il reconnaît ça. Ça c'est troisième parole là. Tout ça c'est fait, il était fait avant. Il était fait avant que terre te prend avant que terre te prend fait noir sous tout avant fait noir te rempli toute la terre. Oui, c'est comme ça ça t'est passé. Trois paroles ça ont été prononcées avant ténèbres te plein toute la terre. Eh bien deuxième division hein, ou bien deuxième période là. Parole que Jésus qui était prononcé pendant 3 heures, 3 heures qui était bail en pile fait noir sur toute la terre. Qui ça le dit? C'est quatrième parole là, il dit mon Dieu, pour qui ça ou abandonné? Il dit bon Dieu, pour qui ça ou abandonné? Matthieu 27, verset 46 et Matthieu 15, verset 34. Pour qui ça ou abandonné? Quatrième parole ça, Jésus était prononcé là, il fait nous sentir le cri de détresse que Christ a traversé. Et puis Christ qui était porté charge péché nous qui c'est tellement lourd. Les nous rempli, les Christ est couvert avec péché nous. Bon Dieu pas de garder Jésus. Jésus t'est venu l'aide pour lui-même. Christ couvert avec fardeau péché nous cela quoi? L'a souffri et puis bon Dieu t'est tourné face vers Jésus. Pour le pas de garder Jésus. Jésus t'est senti cette faiblesse là. Il t'a senti force à éloigner. Et puis il m'a dit papa pour qu'il soit abandonné. Et le Seigneur n'a pas de printemps pour te retourner, reconforter. Tellement souffrance dans tes dix sous Jésus, Jésus vient sembler tant qu'on monde qui boit, qui souffre. Souffrance dans tes amères. Mais Christ a accepté tous. Où sont bien dans Philippiens 2, verset 8? Il dit souffrance là, c'est une souffrance fondamentale. Côté le Seigneur, il t'a souffri. Il t'a quitté trône papal. Il était obéi papal jusqu'à la mort et qui menait jusqu'à la mort sur la croix. Eh bien, c'est raison importante ça qui fait que Jésus a prononcé la quatrième parole là pendant que il était sur la croix, il a souffert avec fardeau péché nous yo, yon croix sous tête li a piqué côte li, l'eau a vidé, sans vider. Eh bien, sans ça a grand pile d'importance, c'est sans ça que bon salut. Sans ça, tu commences à faire des ravages depuis en Égypte, au temps de Moïse. Sans ça, tu es préfiguré, sans ça qui coulait le bon côté Jésus. Eh bien, ça c'est vrai, sans. Sans tes moutons que tu es passé sous devant Portio en Égypte là, c'était symbole vrai sans ça où tu as coulé sur la croix. Divin, je n'accomplis mal là. C'est comme ça t'est. Eh bien. Nous réalisons que, frères et sœurs, il y a toute importance pour nous souffrir avec Christ, oui. Dans le service missionnaire, dans l'église, là, les difficultés, les bagailles ne sont pas allées douces. Puis nous avons quitté l'église, bon Dieu, nous avons quitté le travail, bon Dieu. Christ a souffert plus pour nous tous déjà. Plus pour nous et passer ça. Sous l'Ésaïe 53, ou après souffrance qui était méritée pour nous, c'est pour nous. Et sous souffrir dans le travail, Christ, c'est pour nous faire ou faire bon Dieu. Au contraire, c'est peut-être pas vous-même, c'est pour la vie pauvre. Capable d'avoir une bonne relation, une bonne condition avec mon Dieu. Et la Bible promet maintenant, si nous souffrons avec Christ sur terre, un jour, nous allons vers l'ancien. Et bon Dieu pas d'accord avec monde qui pas d'accord pour souffrir pour lui-même. Parce que Christ est souffert plus pour nous toujours. Nous avons deux périodes. Avant fin noir, parole lui a prononcé trois paroles. Et puis pendant fin noir, il a prononcé une seule parole. Maintenant, troisième période là, c'est après, parole Jésus prononcée après fin noir sur toute la terre. Je lui dis, j'ai soif. Jésus dit, moi soif. Cinquième parole, ça, Jésus prononce sous quoi il dit, moi soif. Eh bien, qui ça veut dire? C'est même bagaille là que et l'évangile a rapporté. Il fait référence avec le Seigneur Jésus qui gagne une tendance de retour. C'est le désir, le retour de revoir son Père. C'est pas une soif physiologique, c'est pas une soif que tant qu'on même avant les nous soif nous besoin de l'eau. Et c'est ça monsieur qui t'a torsionné lent et ignoré de ça, c'était des ignorants, ils pas de connaître. Ils pas de connaître la soif que Jésus t'a parlé.
C'est ça qui fait que vous êtes vinaigre, vous êtes balboué. Mais la Bible t'a annoncé ça déjà. L'Ancien Testament t'a prophétisé ça déjà. Il va bel, il prend le bail, il boit vinaigre. Et puis Jésus qui te connaît que ça, la Bible te dit déjà de lui. Et bien quand on boit le vinaigre, et bien il dit tout accompli, tout bagaille accompli. Ce qui veut dire, tout ça, l'Ancien Testament te dit, toute prophétie que te dit, tout privé, je l'accomplissement. Ça veut dire, pas grand, rien que tu l'as pas fait. Et puis, même côté, là. Et puis, Jésus te rend dernier soupir. Mais c'est pas un contexte à nous arriver là-dedans. Mais nous parlons l'autre parole que Jésus te dit toujours. Avant, et cinquième parole, ça, lorsqu'elle dit soif. Vrai sens soif, là, c'est pas un soif physiologique, mais c'était un soif. Soif de retour à son état premier, à son état premier, à condition qu'il était avant, à, pour le retourner pour un Abi Royal Li, Abi Princesse Li, en tant que roi, en tant que Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Christ prend vacances dans sa lié, non? Bon Dieu, par contre, prend congé de Dieu. Christ pas prend congé de bon Dieu, qu'il y est. Mais il a toujours été bon Dieu. Et nous réaliser que, c'est ça, cinquième parole là te dit, l'été à prendre nos soif. Soif ça, un jour, nous tous doué gen désir soif ça. Et nous tous doué gen elle-même. Soif de voir, pour nous ta bon côté Jésus-Christ un jour, là nous va quitter ça. Pas bien souffrance, pas bien kidnapping encore, pas bien menace, pas bien zam, pas bien couteau. Eh bien, nous tous va bon côté Christ, nous va voilà dans la paix pour toujours. Surtout l'on lit Somme 22 verset 15. Somme 69, verset 21. Vous êtes capable de lire le texte parce que c'était les prophéties qui faites sur Jésus concernant la soif de Jésus qui va parler sous la terre. Sixième parole qui dit, tout est accompli, Jean 19, verset 30. Ça veut dire. Tout est accompli, ça, on l'a toujours. Tandis que j'ai soif, le dit, tout est accompli, toute ça l'écriture te dit de lui-même. Toujours sixième parole a dit, tout est accompli. Pour qui ça le dit, tout est accompli? Dans la sixième parole. Si veut dire si toute bagaille fin accompli, maintenant l'heure arrivé pour Christ à recevoir couronne. Son travail est couronné. C'est le moment pour le recevoir récompense. Bon côté papal. Et Christ en tant que petit charpentier, c'est comme ça vous comprenez. Lui cette profession, c'était charpentier. Père adoptif, lui c'était charpentier. Il n'y a pas de penser si c'est privé dans le niveau ça. Il n'y a pas de même connaître si ton monde qui est venu pour t'accomplir, Jean, ont tel mystère comme ça. Et au méchant, tout autant que ça fait miracle, au lieu de quoi, il y a eu plus. Et bien, jusqu'à ce que vous courez sur la croix, Christ, il veut lui prononcer dernière parole, ça lui dit, tout est accompli. Non seulement tout le bagage est accompli, maintenant qu'on est la petite couronne qui est réservée pour nous, pour lui-même. La couronne spirituelle de Christ, c'est lorsque lui rempli de voile pendant le dessous terre par sa mort expiatoire. Et bien l'accepter pour le souffrir pour l'humanité. Pour moi-même et vous-même pour nous dégager la vie qui ne peut jamais finir. Et bien, l'été est printemps pour être capable d'expliquer tout ça. Pour moi-même et vous-même. Qui a reconnaître l'importance. Parole sur que Christ est dissoudre. Et pas sans raison pour nous ces paroles. Le Seigneur dit, puisque papa m'a travaillé, moi-même je travaille tout. Selon Jean 5, verset 17. Ce qui veut dire, moins travail pour ça me faire, Christ méritait couronne parce qu'il travaille. Sixième parole, ça, tout est accompli. Veut dire, Christ travaille pour ça, pour recevoir couronne. Mais ou même, qui action, qui a composé qu'on y a pas dans sous terre, pour capable de côté ciel là un jour. Parole sera méprisée aujourd'hui à sous terre ça. Bah, encourage pour être dans la condition, y a, non? Dans ce temps, parole, bon Dieu aussi. Vous pouvez le rendre compte pour ça. Chaque action qu'on fait sur la terre, écrit dans celle-là, comme œuvre, c'est œuvre, c'est ça qu'on fait. Je ne vais pas vous mépriser la parole, bon Dieu, non? Je vous encourage à faire tout ça que demandez vous déposez ma démangeaison au côté. Mandez bon Dieu pour l'éliminer des démangeaisons dans la vie et pour le faire place à vous-même pour avoir envie, un enthousiasme, pour le mettre pour avoir une chaleur, envie pour tendre la parole, bon Dieu, envie pour la prédication de l'évangile. Et puis pour être capable de faire place où. Dans le ciel, là, bon côté, bon Dieu. Dernière parole pour nous finir. C'est septième parole là, Jésus dit. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets l'esprit dans mes mains. C'est septième parole, c'est votre septième et dernière parole.
Ou après, esprit ça lié écrit avec ti e minuscule, ce qui veut dire en tant que humain. Christ gon esprit même à tout le monde. Chaque monde qui vive, yo gagne corps, âme et esprit. Trois parties, ça aussi trois parties que bon Dieu fait l'homme avec au corps, âme et esprit. Qui est esprit ça? C'est ti esprit ça? C'est partie qui soutient dans bon Dieu. C'est pas Saint-Esprit lié, non? C'est pas Saint-Esprit qui soit la troisième personne de la Trinité. Hein? Non, c'est pas lui. Ça, c'est esprit, partie essentielle qu'il faut sembler avec Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 16, la Bible dit, Dieu nous a créés à son image. Ce qui veut dire, bon Dieu gagne intelligence, et bon nous intelligence. Portrait nous, c'est portrait bon Dieu. Nous, c'est image bon Dieu. Bon Dieu mettait l'esprit dans nous, mais il pas mettait l'esprit dans l'autre monde comme ça. Jean bon Dieu prend soin nous, il pas prendre soin l'autre monde comme ça. Jean bon Dieu crée nous, pas créer nous même tout le monde. Bon Dieu crée toute bagaille et dans la création, il seulement parler au fait, mais là bon Dieu créer l'homme, bon Dieu manger. Ouais, nous sommes peuple spécial. C'est pas sans raison sous là et malgré ça nous même qui créer main bon Dieu, c'est nous même qui fait plus crime. C'est nous même qui rend l'humanité vinn pi mal que Jean hier. M'a dit un bagaille. Dans mon tourner faire la paix avec le Seigneur. Sou pas de comprendre sans cette importance parole ça yo. Je m'a de vous méditer sur vous-même. Espérer que papa bon Dieu capable ouvrir yeux intelligence pour comprendre ça vous voulez dire. Ça va un sujet de gloire pour vous-même. Nous gain plus pour nous dire nous ta dire les toujours mais ne pas le faire vidéo à toi pour vous parce que nous réaliser que c'est langue créole la lié. Il est capable prendre plus de temps. Là nous fait vidéo en créole, il est capable prendre plus de temps parce que faut ta détailler en partie tout ça de dit en français. En français il prend moins de temps. Parce que nous seulement moi expliquer dans la façon que n'importe monde quel que soit ti français parler il est capable comprendre bien thème ça le dit. Nous remercions parce que tu prends petit temps pour t'étendre nous avec meilleure attention t'attendre les sept paroles de Jésus-Christ sur la croix. Yo t'ai une importance c'était testament Jésus-Christ t'ai fait pour te quitter le sens pour nous-mêmes pour nous apprendre lui-même pour nous connaître un jour. Nous va beaucoup côté nous jour dans ciel là. Il apprend nous le pardon et il apprend nous le comme une place pour monde qui recevoir le pardon bon côté bon Dieu et il apprend nous pour nous vivre dans l'union, dans la fraternité, dans la souffrance. Quelle que soit situation difficile par là que travail bon Dieu parce que il y a une récompense qui réserve capitaine monde qui t'a travaillé pour le Seigneur. On dit même j'avais cantique là on travaille pour le Seigneur avant soleil à coucher pour annoncer bonne nouvelle tout partout. Seigneur nous remercie pour grâce pour possibilité tout ban nous. Nous t'a interprété les sept paroles de Jésus sur la croix avec frère Chenoyon en créole. Tes mêmes paroles sont capables d'entrer dans la vie. Et fait qu'elle capable de faire un pile effet pour dire un pile changement transformation qu'a fait pour être capable de changer de état mondain à un état spirituel pour servir. Fais parole ça fait route par la puissance d'en haut. C'est dans nos Jésus nous prions à lui seul la gloire au siècle des siècles nous prions. Merci, c'est ton plaisir pour nous être ensemble avec vous mon qui t'a servi, c'est toujours serviteur aux amis. Il en suit Mérilien depuis Canada qui souhaite bonne soirée, bonne fin de semaine, mais pas oublier pour like, partager, commenter et puis subscribe vidéo. C'est un plaisir pour nous être ensemble, que bon Dieu bénisse. À la prochaine, merci pour une autre vidéo à plus tard. D'accord, merci, bon Dieu bénisse.